sommes dans la galerie Olga, lieu d'exposition et de création. Elle présente les dessins et les inventions sonores d'Alexis Malbert. Ce Parisien de 30 ans a la curieuse habitude de détourner des cassettes, magnétophones ou baladeurs de leur fonction première. Donc je travaille depuis une dizaine d'années sur les objets sonores de notre quotidien. Et j'ai développé surtout un travail jusqu'ici sur les cassettes, les lecteurs de cassettes qui en fait fonctionnent sur un système mécanique. Donc pour moi, ça me permet d'interroger vraiment le mouvement, des choses assez ludiques en fait. Les inventions d'Alexis Malbert sont visibles jusqu'au 2 juillet. Il les manipulera ce soir dans la galerie.